Des supplications qui s'éternisent, des demandes qui tardent à venir, des requêtes incessantes, des attentes continuelles, des années qui se succèdent mais qui restent identiques. Maintenant en une heure, l'exaucement tient lieu. L'heure de l'exaucement. Ne manque pas ce moment, idoine et capital pour ton envol. L'heure de l'exaucement, c'est tous les jeudis avec le révérend Payard Akame. Sur ta voiture. Ça fait un bon. Ta maison est devenue la piste. C'est la piste. On n'atterrit pas sur ta maison. Mais les sorciers, pendant qu'ils partent atterrir, passent par ta voiture. Et ce que les sorciers la font, c'est qu'au moment où ils passent, ils volent ton étoile. Boum! Une impartition spécifique, une heure de prière, de guérison, de délivrance et de miracle. C'est à la CBC Cathédrale de la Foi, face d'Exaco Omnisport. L'heure de l'exaucement, c'est prodigieux. Faites place à la réponse de l'Éternel. Une heure pour être exaucé. L'heure de l'exaucement, tous les jeudis, 12h-13h, à la Cathédrale de la Foi Omnisport. Si tu connais ce qu'un sorcier est capable de faire contre toi, une façon de parler et de prier. Contactez-nous au 99 79 43 68 ou encore heure de l'exaucement @yahoo.fr. Simple, je vais aller simplement. Le Seigneur m'a fait voir ce matin les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Les 12 tribus d'Israël. Et les bénédictions que le père Jacob a données à chaque enfant. Et les bénédictions que le prophète a données aux 12 enfants. Ah. Aïe. Quelqu'un dit le dernier mot revient au prophète. Le père Jacob prend la parole. Quelqu'un est béni ce matin au nom de Jésus. Le père Jacob prend la parole. Première parole, il prononce cette parole sur son fils aîné qu'on appelle Ruben. Quelqu'un dit Ruben. Rassemblez-vous, écoutez fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu as monté sur la couche de ton père, tu as sué ma couche et en y montant. Quelqu'un dit ouais. La parole du père, c'est que tu n'auras pas la prééminence sur les autres. Quelqu'un dit malédiction. Le prophète revient maintenant sur Ruben. Quelqu'un dit Deutéronome 33. Quelqu'un dit le dernier mot revient au prophète. Il revient sur Ruben. Le père a déjà donné la première parole. Le prophète vient sur Ruben. Il dit que je sais qu'on a parlé sur ta vie. Je sais qu'on a donné une parole. Mais laisse maintenant le prophète parler. Le prophète prend la parole. Bénédiction prophétique de Moïse. Quelqu'un dit bénédiction prophétique. Écoutez. Oh, Lukati la Bouluskata. Il était un roi quand s'assemblaient les chefs et les tribus d'Israël. Verset 6. Première parole. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Amen. Et que ses hommes soient nombreux. Quelqu'un dit bénédiction. Bénédiction. Le père a dit que tu n'auras pas la prééminence. Le prophète est venu. Il a dit que Ruben vive. Quelqu'un dit le prophète a les derniers mots. Quelqu'un dit le prophète a les derniers mots. Que Ruben vive. Je vais prophétiser de façon grave là tout à l'heure. Quelqu'un dit moi-même. Je vais te donner, parce qu'à cause du temps, je vais te donner trois exemples. Sur là, après on va prier. Quelqu'un dit le dernier mot, on revient au prophète.
Genèse chapitre 49, bien sûr. Verset 17. La Bible dit, Dan, il appelle son fils qu'on appelle Dan. Il dit que Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Regardez la bénédiction que Jacob peut appeler son fils pour le bénir. Il dit que tu es un serpent, tu es une vipère. Jacob sait que Dieu a maudit le serpent. Mais il lui dit que tu es un serpent, tu es une vipère, tu vas mordre les gens. Tu vas mordre le cavalier au point où il va tomber à la renverse. Quelqu'un dit ouais. Le prophète arrive. Il rappelle Dan. Il dit Dan, place-toi ici. Quelqu'un dit Dan, place-toi ici. Si tu dis ça bien, Dieu va te bénir. Quelqu'un dit Dan, place-toi ici. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit fire. Sudan, le prophète. Sudan, il dit, Dan est un jeune lion. Le prophète vient, il regarde Dan, il dit, Dan, le père t'a envoyé en brousse, il a dit que tu es un animal, il n'y a pas de problème. Mais ton père a dit que tu es un lion, une vipère, un serpent. Mais le prophète dit, Dan, tu es un jeune lion. Ah, je suis en train d'attendre le lion de la tribu de Juda. Oh. Il dit le dernier mot revient au prophète. Si tu dis un bon amen, je vais à nous. Il dit que tant tu es un jeune lion. Quelqu'un dit un jeune lion. Il dit que tant tu es un jeune lion. Qui se lance dans le bazar? Quelqu'un dit, deuxième cas. Je donne les trois cas, après on entre dans la prière une fois. Alléluia. Troisième cas qui est ton cas ce matin. Quelqu'un dit, c'est mon cas. Quelqu'un dit, mon cas. Quelqu'un dit, c'est mon cas. Oh, Luka, Lulari, Sula, Lu, Tsali, Katu, Lakin, Delebosh, Katalababa. Oh, Kandulu, Sula, Kitalebos, Katalabish, Katal. Landulu, Suza, Le, Kesh, Kesh. Quelqu'un dit, oh Dieu! Toute maladie démoniaque habitant mon corps, pendant que je frappe les mains en prière, je me libère, 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 je me libère. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère du VIH, je me libère de l'hépatite, je me libère du paludisme, je me libère de la typhoïde, je me libère des hémorroïdes, je me libère, des maux de Thomas, je me libère, prie bien, prie bien, prie bien, tu es en train de te libérer, partout où tu te trouves et partout où tu me regardes, prie bien, tu es en train de te délivrer. Tu es en train de te restaurer. Ton temps de délivrance a sonné. Ton temps de libération a sonné. Ton temps de restauration a sonné. Ton heure a sonné. C'est ton heure de l'exaucement. C'est ton heure de libération. Prie bien. Tu es en train de te libérer. Yes, yes, j'aime la façon que tu pries. J'aime la façon que tu pries. Les miracles en train de produire. La maladie en train de quitter ton corps. Le problème là en train de quitter ta vie. Parle à ce problème là. Parle à cette sérénité. Ça doit quitter ta vie maintenant. Ça doit quitter ta vie maintenant. Ça doit quitter ta vie maintenant. Ça doit quitter ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur vient. C'est le Seigneur qui a arrêté ma prière. Le Seigneur m'a parlé d'une femme ici qui veut absolument un enfant. J'écoute le Seigneur me dire, dans 9 mois, cette femme sera à l'hôpital en train d'accoucher. Écoutez bien ce que le prophète de Dieu dit. J'écoute Dieu me dire, dans 9 mois, cette femme.
femme sera déjà à l'hôpital en train d'accoucher son miracle. Je te commande de recevoir ton miracle. C'est en train d'entrer. Le bébé est en train d'entrer. Le bébé est en train d'entrer, c'est grave. Le bébé là vient d'entrer. C'est pas la parole que le bébé entre. La parole est une semence. C'est pas la parole que le bébé entre. Toute personne qui m'écoute, maintenant même, le bébé là vient d'entrer. C'est pas la parole que le bébé entre. La parole est une semence. Reçois ton bébé. Alukandi libre sumble taou la gi laoula. Palais que te libla soula. La kunde le blosoula ira lou taligagoula. Sile de l'eau. Toute main de l'ennemi qui s'opposait à ton miracle. Toute main de l'ennemi qui s'opposait à tes entrailles. Il y a quelqu'un ici. Je vois une main satanique dans tes trompes. On t'a dit à l'hôpital le mois passé. Que tes trompes sont bouchées. Dieu me dit, fils, c'est une main satanique qui est dans cette trompe. Je ne connais pas cette femme-là. C'est une femme. On lui a dit à l'hôpital le mois passé, que ses trompes sont bloquées. Aujourd'hui-là, quand je vais enlever la main satanique, ses trompes sont libérées. La catalibla, la kula, kila. J'enlève cette main démoniaque dans tes trompes. Je retire cette main. Puissance de Dieu. Ces trompes sont en train d'être libérées. Les trompes de cette femme sont en train d'être libérées. Pendant que je prie maintenant. Le Seigneur me dit qu'il y a une trompe qui est déjà libre. L'autre trompe doit être libérée maintenant. La personne a mal au bas-ventre maintenant. Un côté en train de faire mal. J'entends Dieu me dire que l'autre côté va aussi faire mal. Ça prie. Voilà. C'est alors la personne là qui crie la main. Voilà. C'est ça. Ça prie l'autre côté. L'autre côté fait aussi mal. Où est la femme là? Amenez-moi la femme là ici devant. Où est la femme là? Où est la femme qui. Voilà. Ça prie. Les trompes sont. Voilà, ça a pris. C'est elle là-bas. Amenez-les ici. Ça a pris. Ça, c'est ce qu'on appelle chirurgie spirituelle. Je suis en train de faire la chirurgie spirituelle. Voilà. Vous voyez? C'est la main de Satan qui est dans les trompes de sa femme. Regardez. La manifestation démoniaque. Regardez. Hé, libère ce trompe. Je te commande maintenant. Hé, quitte ce trompe. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ce trompe. Attendez. C'est une autre trompe qui est totalement libre. L'autre est déjà un peu libre. Mais ça doit être libéré totalement. Je libère l'onction de Dieu. Je libère la puissance. C'est bizarre. Ça vient de sa propre famille. Et j'entends le nom Minette dans ta famille. Minette dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Hey! Libère cette trompe. Libère. Tout homme ici qui a besoin d'un enfant. Le Seigneur me parle d'un homme ici qui a besoin d'un enfant avec son épouse. Et c'est une honte pour leur foyer. Tout homme ici qui a besoin d'un enfant. Pendant que je prie, Dieu te donne un héritier dans les 10 mois qui viennent. Voilà. Délivrance totale, libération totale. Sois libéré totalement. Voilà. On va. C'est comme ça que le Seigneur délivre. Acclame le Seigneur.
Je vais prier rapidement pour quelqu'un ici. C'est votre tante qui vous a maudit. Et un matin, vous êtes réveillé comme ça. Vous avez trouvé qu'on a venu déféquer devant votre porte. Devant votre porte. Devant votre porte. Pour que la disgrâce entre dans votre maison. Le Seigneur me dit que ce que l'ennemi a fait cette nuit, pendant qu'il était en train de déféquer devant ta porte, c'était pour que l'odeur qui quitte de ces déchets-là, de cette merde-là, que cette odeur-là entre dans votre maison et pour que votre maison soit seulement pourriture, pourriture, pourriture. Je veux que la personne court ici rapidement pour que je délivre toute la famille. Je dois libérer toute la famille. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Il n'y a pas de honte quand on va être libéré. Avance ici devant. Je dois prier pour toi. Vous avez trouvé qu'on a venu déféquer. Déféquer, c'est ce qu'on appelle vulgairement faire caca. Chier devant votre porte. Je dois te délivrer. C'est là, hein? Devant ta porte. La porte de ta mère. Voilà, voilà la personne. Regardez comment sa tante parlait déféquer devant la porte de sa mère. À partir. Et depuis ce jour-là, la distance est entière dans votre famille. La distance est entière dans votre maison. J'aime les paroles de connaissance compliquées comme ça. Quand je reçois ça, parce qu'elle est une diaconesse ici à l'église. L'autre, si on ne confesse pas ça, l'autre, si même on oublie. Il faut que ce Dieu qui te rappelle que l'événement-ci, ça s'est passé comme ça, comme ça. L'autre, si on ne met pas ça dans la cuida. L'autre, si on ne met ça nulle part. Il faut que le prophète de Dieu voit les choses secrètes. Et que Dieu montre ça au prophète. Pour que il. Parce que Dieu veut te délivrer. Et il voulait parler, passer par une parole de connaissance. Et le Seigneur dit, parce que tu me connais, je te connais, on est ici à l'église. Mais il y a des détails qu'il n'y a que Dieu. Toi, tu avais oublié ça. Il a fallu que Dieu insiste sur ça pour que la délivrance entre dans votre famille. Quelqu'un dit, il n'est pas prophète par erreur. Et il n'est pas prophète par hasard. Oui. Parce qu'il y a certaines choses qu'on entend ici dehors vraiment. Lève les mains, lève les mains. L'odeur de disgrâce qui entre dans votre maison. Dieu me demande d'attaquer l'odeur. D'attaquer l'odeur. J'ai un combat que je vais faire là maintenant contre cette odeur. L'odeur de disgrâce, l'odeur de malchance, l'odeur de poisse, l'odeur de célibat, l'odeur. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi la maison peut avoir des belles femmes, mais personne ne se marie? Comment la maison peut avoir des talents, mais personne n'exploite son talent? À cause de cette odeur. L'odeur. Dès que cette odeur est entrée dans la maison, la vie de cette femme a changé. Sa vie a chuté. Or, sa vie est en train de monter, monter. À partir d'aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Jéhovah, Jéhovah qui a créé les cieux et la terre. Aluka, luka, 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 ndula, tula, tula, silekou, dili, 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 dili. L'odeur de malédiction, l'odeur de disgrâce, quitte ta maison maintenant, reçois la délivrance de ta famille. Ah, la main de Dieu sur elle, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voici ce que le Seigneur me montre dans le règne des esprits. C'est que quand la femme là, parce que c'est bien quand le Seigneur te montre ce que Satan a fait contre les vies des gens. Voici ce que cette femme a fait. Quand elle a fini de faire comme ça, après elle a fait comme ça pour maudire la maison. Ça c'est ce que je viens de voir dans le règne spirituel. La coula. Retour à l'expéditeur. Non, l'autre si je ne pardonne pas. Je renvoie l'expéditeur. 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 Je renvoie. Je renvoie l'expéditeur. Je renvoie. Je renvoie. La calé bolo colo bolo solo bolo sombolo. Lo kulu 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 kulu. Sois délivré. Voilà. Dieu est en train d'enlever la mauvaise odeur, en train de quitter sa vie. C'est en train d'enlever. Cette femme-ci, c'est alors aujourd'hui, vrai, vrai, que ta vie commence. Aujourd'hui,
C'est alors aujourd'hui que ta vie commence. Je parfume ta vie de gloire. 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 Reçois ton... L'histoire de cette femme en train de commencer. Cette femme-ci porte un ministère. Elle porte un ministère. Elle porte un ministère. Ton ministère commence maintenant. Ton Ali Katoula, à partir d'aujourd'hui, la honte est en train de quitter ta vie. À partir de toi, la gloire entre dans ta famille. La gloire entre dans ta famille. La gloire entre dans ta famille. Sois libéré. Tu entres dans l'accomplissement prophétique maintenant. Acclame le Seigneur toi si tu entres dans l'accomplissement. Qu'elle parte s'asseoir. Qu'elle fait que cela. Va t'asseoir, ma fille. Va t'asseoir, va t'asseoir. Le jour que ton tour va arriver, Dieu va confiner. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Si tu es content d'être là ce matin, acclame le Seigneur. Qui a cette photo? J'entends Pierre, Pierre. Qui a cette photo? J'entends Pierre, Pierre. Qui a cette photo? Je ne connais pas. Qui a cette photo? Mais j'entends Pierre, Pierre. Qui connaît cette personne? Alors que le bailleur m'attend à la fin du mois. Ça fait pour payer le loyer de l'église. J'étais bien malade ici là. J'étais assise là, le prophète m'a appelé. Le prophète est appelé. Oui. Que la femme se lève. Lève-toi. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, lève-toi. N'attaque pas l'onction. Tu comprends? Lève-toi. Hein? Tu es malade? Tu souffres de quoi? Hein? Depuis quand? Ça ne va pas. Viens recevoir la guérison. Holy Ghost, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, guéris cette femme-là maintenant. Quelle que soit la maladie qu'on a mis dans son corps, quelle que soit l'attaque de l'ennemi, j'enlève cette attaque de ta vie maintenant. J'enlève cette attaque de ta vie maintenant. Saint-Esprit, je t'ai vu guérir tout type de maladie. Guéris et restaure cette femme. Reçois la guérison maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame Jésus. Comment tu te sens maintenant? Hein? Comment tu te sens maintenant? Son visage a changé. C'est les gens qui disent que son visage a changé. Positionne-toi là. Prie maintenant en frappant les mains. Et tu vas donner ton témoignage. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Oui. J'ai dit passer. C'était jeudi. Ça fait deux semaines aujourd'hui. Ah, ça fait deux semaines. Ah, c'est ton histoire même. C'est ton histoire. C'est toi qui connais. Le prophète est arrivé ici. Il a prié pour moi. Je suis partie m'asseoir. À l'instant, je suis sortie parce que j'avais tellement mal. Je ne peux pas vous assurer. Je suis guérie aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est guéri. Salut, ma. Tu es totalement guéri au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus, salut. Je suis le révérend prophète Baya Akame. J'ai saisi cette occasion qui est une occasion assez spéciale pour venir te donner cette annonce qui est une annonce précieuse, une annonce capitale. Juste une invitation, ce jeudi à partir de 12h, un seul lieu, un seul endroit, cathédrale de la foi 6, face Texaco Omnisport, à l'occasion de ce merveilleux programme 1 de l'exaucement.
Ce programme est un programme spécial parce que ce jeudi, nous allons célébrer les miracles. Nous allons célébrer ce que Dieu fait et ce que Dieu continue à faire. Je crois Dieu, et ça c'est ce que j'ai reçu du Seigneur, que toute personne qui sera là ce jeudi va recevoir une nouvelle, va recevoir un témoignage, va recevoir un miracle qui va provoquer de façon instantanée un témoignage dans sa vie et une célébration dans sa vie. J'ai toujours vu pendant le programme 1 de l'Esosoma 7, 8, 10 personnes, 15 personnes en un seul programme témoigner. Je crois que ce jeudi, tu vas aussi témoigner ta guérison. Tu vas aussi témoigner ton mariage. Tu vas témoigner ton rétablissement, ta restauration. Un seul endroit, cathédrale de la foi, Texacom Sport, pendant ce programme 1 de l'Esosoma. Ne rate pas. Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. La semaine passée, c'était un moment de visitation, un moment de purification, un moment de restauration. Jeudi passé, c'était un moment de nouveau départ dans la grâce et dans la gloire. Et beaucoup de témoignages, il y a des apôtres qui étaient là, qui venaient même des déas, qui ont reçu leur témoignage de façon instantanée. Il y a même des prêtres qui ont reçu leur témoignage de façon instantanée. Je crois Dieu que toi aussi, bien partout où tu te trouves maintenant, tu vas aussi recevoir ton témoignage de façon instantanée. J'invite tout le monde, j'invite les catholiques, protestants, j'invite les baptistes, pentecôtistes, tout le monde à être là. C'est une heure de prière, c'est une heure dans la présence de Dieu. Quel que soit le problème que tu as, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Et n'oublie jamais, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Et n'oublie jamais cette parole qui est forte et une parole qui est puissante. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va établir ton autorité, va établir l'autorité de ton Dieu dans ton bureau, dans ta famille, dans ton quartier, partout on te verra. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie, on va respecter ton Dieu, on va se prosterner ton Dieu. Tout le monde a dit, même le roi Nebuchadnezzar avait dit que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Je vois Dieu ce jeudi en train de dire, en train de confirmer dans ton bureau, en train de confirmer dans ta famille que c'est ton Dieu qui est le vrai Dieu. Viens recevoir cela, Dieu va le faire pour toi. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Tu es béni et tu es attendu ce jeudi. Venez même avec les cas malades. Venez même avec des gens qui sont en perte d'espoir. Venez même avec les cas les plus désespérés. Si tu veux même, va prendre les gens à l'hôpital de façon instantanée. Dieu va le faire. Il y a quelques jours, je priais pour une femme qui est venue me trouver à l'église avec l'ambulance sortant de l'hôpital. On l'a amenée à l'hôpital. On l'a amenée dans l'ambulance et j'ai prié de façon instantanée. Elle a reçu le miracle. Aujourd'hui, elle est totalement guérie. Viens aussi, tu veux aussi recevoir ta part. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot pour toi. Tu es béni et merci de m'avoir suivi. Merci d'être là ce jeudi à partir de 12h à la cathédrale de la foi pendant le programme Heure de l'Exaucement. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement, une heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. Une heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quel que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires. Aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. Une heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heuredelexaucement@yahoo.fr. Et confiance.